Elle a encore fait tourner les têtes, Kendall Jenner. Après Bella Hadid, c'était à la demi-sœur de Kim Kardashian de faire le show sur le tapis rouge du Festival de Cannes. Robe blanche Schiaparelli et bijoux chopard, Kendall Jenner a une nouvelle fois opté pour la transparence. La jeune femme montait les marches du film « Les filles du soleil » et une chose est sûre, elle a illuminé le tapis rouge avec sa tenue glamour et vaporeux qui laissait entrevoir sa poitrine nue. C'est la deuxième fois, en deux apparitions, que Kendall Jenner apparaît devant les photographes vêtue d'une robe qui ne laisse guère de place à l'imagination. La première fois, c'était lors de la soirée Chopard, où une ribambelle de stars était invitée, comme Julianne Moore, ou encore Marion Cotillard, sexy à souhait dans une combinaison léopard. La supermodèle de 22 ans était apparue à l'hôtel Martinet dans une robe verte, très courte et très transparente qui dévoilait son corps presque nu. Elle ne portait pas de soutien-gorge, mais avait tout de même gardé une culotte chère, histoire de qu'on sévère un peu de pudeur. Si la jeune femme n'a eu aucun problème à poser longuement devant les photographes, exposant fièrement sa poitrine, Kendall Jenner a tout de même essuyé un vent de critique. Beaucoup de commentateurs estimaient que cette tenue était trop vulgaire. La réponse de la jeune femme a été immédiate, une robe glamour, oui, mais encore une fois transparente. Feuilletez aussi le gala croix 7 justice.crédit photo, best image.